La première démarche, elle est narcissique. Il faut que je sois le plus beau, le plus technique. Mais par contre, il faut dépasser ce stade-là. Je pense que quand il y a du danger, de toute façon, il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. Il y a un moment où on doit, il y a un moment où on ne peut plus. Voilà. C'est cet esprit de décision qui nous importe chez nous en karaté. On peut faire du karaté sans des katas, mais bon, les katas, c'est quand même comme un dictionnaire, quelque part. Pour moi, le combat, quand il est bien fait, quand il est efficace, il ne peut pas aller au-delà de 2-3 mouvements. Un enchaînement plus long, c'est pas réaliste. Ah, ça c'est bien, ça, j'en regarde. Hop ! Trop tôt pour moi ! Hop ! Et ça ! Dans un cours, qu'on vive un peu cette atmosphère, dire, comme si je défendais ma vie. Mais c'est, en réalité, c'est un jeu. C'est un jeu. Mais ça vaut le coup de le vivre, au moins pendant le temps du cours et à chaque fois qu'on vient à l'entraînement. Quand on travaille en karaté, il y a des choses qui vous passent dans la tête et dans le corps, bien sûr. Et il faut arriver à gérer ça. Donc c'est bon, arriver à stabiliser les émotions à tout point de vue. Ça, c'est très dur. Mais par contre, c'est très enrichissant. Quoi. C'est ce qui permet d'aller plus loin. Quoi. D'avoir le geste exact au moment exact.